conseil de Portugal, prazer receber o Leixo. E com muito prazer, o Instituto Francês de Portugal associa-se à organização desta nova edição, segunda edição, segundo curso de estética, promovido pelo Instituto de Filosofia da Linguagem, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este evento de três dias tornou-se, desde o ano passado, um momento incontornável para os investigadores, especialistas de estética, professores, estudantes, artistas e público amante de arte. Sim, sim. Está legal. Está melhor? Ah, desculpa. Agradecemos muito este ano o apoio do Instituto Italiano de Cultura, que é um novo parceiro desta edição. Agradecemos muito. Entre outros convidados de prestígio, hoje teremos o privilégio e o prazer de receber três pessoas convidadas vindo especialmente de França. Vou dizer tudo em português. Pascal Triton, seja particularmente bem-vinda, porque c'est votre premier voyage en Portugal. Un accueil très très chaleureux à ce titre. Elle est musicologue, compositora, investigadora nelle aree della musica contemporanea, in particolare nell'esplorazione dei microintervalli della sua organizzazione. Signor Patrick Quillier, elle est habituato de Portugal. C'est un retour sur des terres très connues. Vous êtes ancien élève du lycée français. Vous êtes un traducteur tellement connu de Fernando Pessoa. Vous êtes un amoureux de la langue portugaise. Professeur de literatura comparada en Nice, con investigación sobre las relaciones entre literatura y música y el papel de Ovidio en la literatura. Y Arnaud Villani, soy le très bienvenu, poète, professeur de filosofía crítico, un dos melhores especialistas do pensamento de Gilles Deleuze en França. Je suis certaine que ces rencontres contribueront à l'enrichissement des réflexions sur la question du corps dans l'art. Je tiens à remercier très chaleureusement l'Institut de philosophie du langage et particulièrement M. José Gilles et Mme Cosine. Je cède sans plus tarder la parole à vous, M. José Gilles, M. le professeur, et je vous remercie tous de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Eu vou falar em português e puis j'ajouterai toujours quelque chose en français. Queria em primeiro lugar agradecer imediatamente mais que colaboração, porque já é uma combinação, uma integração das instituições que contribuíram para estes encontros. Refiro-me, evidentemente, ao Instituto Francês de Portugal e em particular, à sua diretora, que é Madame Sophie Nadeau, aqui presente. Agradeço a vossa presença, agradeço sobretudo mais uma vez aos convidados, je remercie les invités, les participants. La question que nous traiterons n'est pas facile, elle est même très difficile. Et je pense que sera cependant de l'intérêt de tous présents. Je voudrais dire un mot sur le but de ces rencontres, rapidement. L'idée était simple. C'était l'idée de organiser un événement qui puisse contribuer à la cohésion de la communauté artistique portugaise,
C'est très ambitieux, mais c'est un fait, cette communauté n'existe qu'éparpillée, que par de petites poches, pas de communication. L'ambition de prétendre donner une cohésion, prétendre, implique entre autres choses qu'on parle de tout ce qui intéresse cette communauté. Je veux dire que on puisse faire des rencontres autour d'un thème aussi théorique apparemment guillemets que quelconque en art, ou bien des rencontres autour du thème le marché de l'art au Portugal et en Europe. Voilà. Et c'est tout. J'espère que nous pourrons débattre. C'est un des objectifs, c'est-à-dire qu'il y ait une participation tout à fait intéressante aux communications que nous allons entendre. Merci donc à votre présence. Dou-vos as boas-vindas em nome do professor António Marques, que, não podendo estar presente por razões de saúde, me incumbiu de dar-vos boas-vindas. O professor António Marques é o coordenador do Instituto de Filosofia da Linguagem, e em nome dele, mas também em meu nome, queria agradecer a vossa presença, mas também a presença e a grande colaboração que nestes dois anos tem sido tão rica com o Instituto Francês de Portugal, que foi de uma grande generosidade para com o nosso trabalho, e este ano também agradecer ao Instituto Italiano da Cultura pela ajuda também, pela primeira vez, mas bem fundamental. Desejo-vos bons trabalhos nestes três dias. Obrigada. Vamos, portanto, dar início às comunicações. Aos trabalhos desta tarde. O dia de hoje os trabalhos do dia de hoje orientam-se pelo título O Corpo, a Arte, Questões de Estética, Le Corps, la Question d'Esthétique. Vamos começar com Arnaud Villani, faço uma breve apresentação. Arnaud Villani é professor de Filosofia, agrégé de Filosofia e de
des lettres classiques et poète et un poète français. Vive en Nice, on enseigne philosophie au lycée de Masséna et publicou nombreux articles de philosophie et critique littéraire. O seu primeiro trabalho foi sobre Kafka e depois trabalhou profundamente o filósofo Gil Deleuze. Com a primeira obra muito conhecida e grande referência para nós, La Guerre de l'Orchidée, em 2003, acrescentou ainda o vocabulário de Gil Deleuze nas edições de Rome. Em colaboração com Robert Saxo. É ainda co-tradutor do filósofo Whitehead e está a tradução do poema de Parmênides. Não sei se é que ainda publicou em 2008 as Pequenas Meditações Metafísicas sobre a Vida e a Morte e um pequeno tratado sobre o Nada, em 2009. Sua comunicação tem como título Là où le corps s'embue. E vamos dar a palavra. Merci, Ana. Dans l'immense cosmogénèse que l'homme, depuis la fin des mythes et des communautés traditionnelles, s'est fabriqué tout à son avantage, le corps a été mis en position complexe et cruciale. Il a été à la fois adulé, tel un modèle de grâce, vilipendé et rejeté, comme ceux qui supportaient trop visiblement la marque du temps, et associé plus profondément à l'art dans une sorte de communauté de résistance. En cette affaire, les césures sont dissimulées. Il ne sera pas facile de saisir la vérité du processus. Il nous faudra définir le type et l'objet de cette résistance commune, le système très élaboré qui y contraint et, à la fois, la rend inaperçue, proche de l'inefficience. Que je considère le corps comme une prison, objet d'exécration, ou comme un temple, objet d'adoration, le résultat est le même. Je cesse de regarder le corps pour lui-même, en tant que tel, et entrevois au-delà de lui des échelons vers la déchéance ou vers la beauté extatique. Le corps est image éthique, avertissement. Il est déchiré entre matérialisme et spiritualisme, deux positions absurdes qui masquent l'essentiel. Il ne change en rien la conception générale que l'on se fait du monde, bien au contraire, il la renforce et lui donne des gages. En effet, cette manie de constituer des paires d'opposés, dont l'un serait la lumière céleste et l'autre la noirceur de la terre, est à la fois une facilité et une duperie qui détourne de penser de façon critique et de démêler exactement les nœuds fins et dissimulés, les tournants profonds où se forme le réel. À ceci s'ajoute que nous n'avons pas encore précisément vu la connaissance essentielle du corps et de l'art, dont la communauté de résistance n'est qu'un effet. Ce qui rapproche le corps et l'art et les rend, comme le disait la pensée médiévale, convertibles, bien qu'ils ne soient pas l'un et l'autre des universaux, c'est qu'ils sont par nature la mise en évidence et la dénonciation du point aveugle de la philosophie occidentale. Ce point aveugle peut être cerné à partir de deux philosophes, Spinoza, Bergson. Bergson amplifié par Deleuze. Mais on peut déjà s'en rapprocher par deux considérables avancées que la philosophie devrait mieux prendre en compte. La définition de l'organisme chez le biologiste Huxkull et la restitution de la pensée du don cérémoniel dans les communautés de chasseurs-cueilleurs selon Marcellina. Huxkull apporte déjà sur le corps une réelle révolution
Il n'existe pas de monde commun où hommes, végétaux et animaux auraient été placés lors d'une genèse. Mais chaque corps spécifique représente à la fois sa forme externe, visible, et le milieu, mouvette, invisible, comme façon dont son corps se poursuit et se reflète hors de lui, en modelant son entourage géographique, Ungebung, en monde propre. Tic, méduse, escargot, homme, cela veut dire chaque fois un monde absolument hétérogène, inapparent. Ce qui s'expose ici, bien que selon Ruskus, exclue tous ces mondes, s'entretisse en symphonie, c'est une pluralité radicale du monde qui devrait destituer, voire ridiculiser d'avance, toute tendance à l'anthropocentrisme, ou du moins à la faire apparaître comme ce qu'il est, un délire hégémonique. De plus, tous les vivants obéissent à un cercle fonctionnel qui engraine impeccablement, implacablement, les séquences perceptives et les séquences actives dans le rapport entre un organisme vivant, corps plus milieu, et un objet quelconque prélevé dans ce milieu. La tique, exemple fameux, perçoit l'odeur d'acide butyrique, l'odeur de beurre, et relâche les pattes. Perçoit une absence de poils et pique. Perçoit la chaleur du sang et pond, etc. Seul l'organisme humain a pu suspendre ce allaitement rythmé du corps dans sa remarquable adaptation au milieu qui le rend indiscernable par l'introduction et l'extension d'une immense parenthèse et, pour ainsi dire, d'une bulle de réflexion conceptuelle entre la perception et l'action. L'homme a donc, du même mouvement, dissocié son corps du milieu et développé un monde de concepts, le Welt, qui double le milieu tout en se distanciant de lui. L'étrange, c'est que le développement de Spinich nomme un merveilleux dôme conceptuel bâti sur le courant d'un fleuve, dans la vérité, le mensonge au sens extramoral, au lieu de renforcer notre reconnaissance pour la nature, comme il le faisait par le mythe dans les anciennes cultures, a été annexé et enrôlé par les exigences de l'adaptation et a développé, au-delà de toute mesure, les outils scientifiques et techniques qui ont livré la Terre à la domination. Cela veut dire que les concepts et toutes les merveilles dont ils étaient porteurs ont balayé la nature et fait place nette à un homme investi de la réalité totale du réel et voué à une humanisation sans reste. Ainsi, le Welt devient le milieu humain. Réel ou conceptuel, les objets et les êtres que rencontre l'homme ne signifieront que la répétition ad nauseam d'une formule, je traduis ainsi le mot logos, de l'humanité. Par d'autres chemins, l'anthropologue Marcel Hénaff parvient à des conclusions convergentes. Il reprend, pour l'approfondir, le fait social total du don cérémoniel dans les études de Marcel Mauss. Voici ses conclusions. Le don cérémoniel n'est ni éthique, ce n'est pas un don oblatif, sans retour, ni économique, ce n'est pas un troc, un échange marchand. Il est de part en part politique. Le donateur se gage et s'engage vis-à-vis de celui auquel il offre une reconnaissance d'ordre social. Il débute une chaîne qui fait intervenir la totalité de la lignée à laquelle appartient le donataire et le donateur, mais également les objets du don et toute une série extra-humaine, nature, esprit, animaux. Ce dispositif symbolique attend donc le retour qui mette fin à la boucle du don contre don. Il établit une égalité de tous les êtres participant au don. Il assure une politique de l'égalité horizontale. Le don oblatif sans retour et le don économique qui n'assure aucune reconnaissance entre hommes sont alors des palliatifs, selon Hénaff, de la modification profonde et irréversible introduite par la fin de l'interdit d'accumulation et par l'initiative d'une production humaine, végétaux cultivés, animaux domestiqués, propres aux horticulteurs éleveurs, ce qui détourne le privilège de la nature et des esprits, faire naître. Pour le compenser, on invente le sacrifice, les ancêtres puis les dieux prennent la place des esprits, s'introduit une logique verticale de hiérarchie dominante. L'État se développe tandis que s'accroît l'individualisme, le corps commun circulant et dansant des communautés traditionnelles laisse place
à un corps individuel dont l'aspect trop naturel devient gênant. La politique cesse d'être une reconnaissance de proche en proche du groupe social par le ton de ce qui engage, elle devient loi abstraite et stratégie de domination. L'initiative en tout domaine ne peut plus être humaine ou surhumaine, ce qui revient au même. Alors je passe à un deuxième moment qui s'appelle le grand récit de finalité. Peut-être Patrick. Pediram-me para resumir em português, no caso de alguém na sala precisar de algumas, de alguns esclarecimentos. O discurso do Arnoux mostrou que a questão do corpo implica uma crítica da lógica binária que opõe matéria e espírito, e que o que nasce do relacionamento entre o corpo e a arte é uma espécie de comunidade de resistência, no sentido de que corpo e arte estabelecem uma denúncia do ponto cego da história da filosofia ocidental. E ela referiu-se aos pensamentos do Spinoza, do Bergson, alargado pelo Deleuze, e do Hobsbawm, que mostrou que, no fundo, a realidade é feita de mundos heterogêneos ligados a corpos singulares, o que é confirmado por trabalhos recentes de etnologia acerca do dom nas cerimônias que presida o nascimento de um corpo individual. Donc, le grand récit de finalité. Tant que le corps commun de la société est le corps non moins commun de la nature, animaux et végétaux étant ce qu'on peut nommer des proches, englobe et transissent le corps individuel, celui-ci n'est investi que de forces cosmiques, animiques, symboliques. Époque de la danse-monde, qui, circulant, désireuse de ne rien accumuler, ne laisse pas de traces historiques. Le lexique montre, dans la toute première recherche philosophique grecque, la récurrence de termes indiquant une forte tenue. Les verbes, le verbe ekaim et le substantif sunekes, typiquement parménidien. De ce qui se constitue en corps, le démas. C'est la grande époque de l'harmonia, au sens non pas de l'harmonie harmonieuse, mais au sens d'un emboîtement, de charpente, d'un fer-corps qui fera fortune en art. Mais dès lors que l'esprit et le corps deviennent individuels et se séparent de la nature et du groupe social, on voit l'un et l'autre se spécialiser. L'esprit continue de constituer le velt des savoirs conceptuels, annule tout englobant naturel et tout corps en un circulant, il trace la ligne du progrès humain. Le corps, rabaissé pour son appartenance encore trop visible à la nature, à l'historique, se rachète par son assignation à des réflexes conditionnés, des sets physiologiques, des sensations utiles, et notamment oculomanuelles, et aux actions efficaces qui domestiquent l'espace et le temps. Il sert une grande cause. Le grand récit de la Bildung occidentale, la formation, le récit de compétences, sous le contrôle d'une raison dominatrice, on se rappelle que le nous stratège d'Anaxagore avait été détourné subtilement par Platon. Donc, sous la soi-disant évidence, la raison gouverne. Demande le mythe de la finalité, de la perfectibilité humaine. C'est individuellement et collectivement que l'effort est demandé afin que chacun se fasse un nom dans une civilisation qui laissera trace. Tel est, on le sait, le sens de la réponse kantienne à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Le but individuel et collectif est d'imprimer à la nature et d'imposer au monde le sceau de la supériorité humaine comme règne des fins. C'est uniquement dans un coup d'arrêt spinoziste et bergsonien que je vais essayer d'exposer, c'est uniquement parce que nous feignons de croire que l'éthique est ontologique ou théologique que nous n'enregistrons pas dans son ampleur l'avancée de l'urbanisme du livre 1 avec sa critique de l'anthropocentrisme et de toute volonté finale. Mettre l'homme en avant partout et toujours et le répliquer dans tous les aspects humanisés du réel
revient à pratiquer un volontarisme finaliste. Au contraire, Dieu n'est ni plus ni moins que la nature chez Spinoza, quelque chose que nous avons renié et perdu. Dès lors, le troisième genre de connaissance où il convient de lâcher prise et de s'abandonner au courant puissant du Dieu nature aurait dû dévier l'homme de son activisme, de sa colonisation du réel, de son imitation lassante de lui-même, de l'impératif catégorique de volonté tendue. On enregistre un écho de ce tournant dans le changement schopenhauerien, dont on ne fait pas assez cas en philosophie. Changement schopenhauerien du principe de philosophie, non plus la représentation mais la volonté. Et non pas, selon un contresens presque inévitable, une volonté comme fond des choses et mère de l'être, répétant la métaphysique comme le croit Nietzsche. Non pas non plus une volonté comme tendance à la domination, comme on le croit de Nietzsche. Mais une nature en nous revenue, retrouvaille avec le corps nature. Certes, Schopenhauer hésite au milieu du quatrième livre du monde comme volonté comme représentation, prend peur et rebrousse chemin. La vérité s'affirme, puis se nie. Il suffira à Nietzsche de reprendre les choses là où les avait laissées Schopenhauer et de réaffirmer la volonté pour en finir avec la Bildung philosophique. Toutefois, n'est-il pas encore clair pour le Zarathustra qu'au moins pour le ton prophétique de l'avènement du surhomme, la volonté assignée à une Bildung et une fin dernière n'était pas encore totalement exorcisée. Il revenait donc à Bergson, et c'est à juste titre qu'il a reçu un tel éloge de la communauté pensante, de débusquer, avec son inégalable méthode de précision, de replacement des césures et d'intuition, la façon dont le corps a été asservi au travail adaptatif de l'intelligence et à la constitution d'un monde d'images et de souvenirs utiles, soutenus par les réflexes sensorimoteurs. Bergson comprend, sans pouvoir le rattacher clairement à une idéologie et à une propagande de la raison, que ce corps-là, cette intelligence-là, cette mémoire-là, cette conception-là du temps, comme esquive de la durée mouvante, ne nous donne en rien du réel. Il ne nous donne que ce qui permet de juger entre inférieur et supérieur, de dominer et d'asservir, d'envahir et d'évangéliser. Il nous offre un monde qui en a fini avec la nature du tout en un et du corps commun, et ne cesse d'améliorer son exploitation des ressources ad majorem gloriam hominis, et non pas, comme le croient les naïfs, dei. Par sa perception, par son instinct de survie qui lui donne la force de renverser tous les obstacles, par sa mémoire utile, par son intelligence conceptuelle, le corps-esprit de l'homme est donc soumis à l'impératif du plus, du mieux, de la trace impérissable, du roman de formation qui requiert l'homme en totalité. Périsse la nature et la terre, pourvu que l'homme aille au bout de son chemin historique. C'était oublié que Stirner demandait que l'on cesse de croire à tous les mots fantômes, notamment le Geist, qui est aussi le revenant. Pas seulement l'esprit. Les mots fantômes qui assignent un but universel et dominant, et que Buber, dans son livre Événement, Le chemin de l'homme sur la doctrine acidique, un grand livre, assignait à l'individu de trouver l'unique chemin dont, seul sur Terre, il est capable et que sans lui, et qui sans lui restera à jamais fermé. Si les maîtres mots de Schopenhauer, volonté et vouloir vivre, et de Nietzsche, surhumain, surhomme, restaient encore marqués par l'ambiguïté, avec Bergson, tout devient clair. La durée permet d'esquiver les multiplicités quantitatives, normatives et ses mots d'ordre, et de déployer les multiplicités qualitatives, intensives, qui, se reprenant, se repliant sur elles-mêmes, créent ce flux imprévisible qui se nomme corps, du point de vue de la sensation, et art, du point de vue de la nouveauté de la sensation. Je pense qu'il faut... Oui, peut-être. Portanto, foi uma apresentação da narração, da grande narração da Bildung do Ocidente, desde a Antiguidade até o Bergson, há uns pontos de passagem entre o corpo que ficou aos poucos dependente da história e, portanto, da
dominação do espírito no sentido do progresso humano, mas num progresso que, no fundo, fecha-se num desequilíbrio. Então, o Bergson foi, no fundo, o último a tentar mostrar a maneira com que o corpo foi o escravo dessa progressão da inteligência que acompanhou-se pelo imperialismo e o sistema económico que conhecemos. Merci. Cependant, la perspective spiritualiste et chrétienne continue d'annexer la tentative bergsonienne. Ce dernier obstacle qui brouille les cartes et rend possible qu'un Bergson, sur la fin, se laisse approcher par le révérend père Sertillange, visiblement désireux de lui soutirer un aveu définitif à l'orthodoxie, d'allégeance à l'orthodoxie, élevé par la position bien plus décidée de Deleuze, sur deux points. Il est plus radical dans son empirisme, il s'appuie sur Hume et non sur Spencer, et peut donc entamer une route nouvelle, la métaphysique immanente. Il est absolument indifférent au spiritualisme et à la théologie, et peut donc mieux discerner le rôle du couple homme-dieu dans la persistance du volontarisme et du récit de compétences. Nulle part ailleurs, en philosophie, n'ont été plus clairs l'appel à l'abandon de toute finalité, le soupçon opposé au langage de Baudelaire, la demande urgente que l'on cesse de juger. L'homme se présente alors sous deux images complémentaires, l'errance de Lenz, où le désert est l'extinction du but et le déroulement des plis, et le corps sans organe, où le désert, c'est le corps lui-même. Donc j'entre dans cette partie qui s'intitule « Le corps sans but ou l'art ». L'impératif d'une inversion de toute répétition en différence annule d'un coup la figure de l'homme rationnel, autoproclamé, dominant. La différence ne fait pas le point, ni ne met en ligne. Le temps se brise. La durée, sous son aspect d'aïon, ou de père du temps, s'enroule en cristaux et en plis, se croisant en épaisseur infinie. Le futur n'est plus devant nous comme un fanal final, mais autour de nous, dans une traîne passé-avenir qui esquive le temps de l'action. Pour autant, l'action n'est pas suspendue. Elle est, d'une façon assez plotinienne, la contraction d'une contemplation et une chute propre à faire naître la sensation. Rien de plus clair ici que les remarques du cinéma des deux tomes sur le nouveau réalisme qui suspend net les 7 sensorimoteurs et du Bacon qui fait fuir le corps vers tous les trous de lavabo. Tandis que ce qui prend de l'ampleur, c'est l'onde de sensation que rien n'arrête et qui vient tout balayer jusqu'à rejoindre le cosmos. Très intéressant cette image qui se trouve dans Logique de la sensation, qui fait qu'au fond il y a à la fois une maison et le cosmos univers et qu'il y a un grand vent qui circule entre l'un et l'autre. Les fins de l'homme ne mobilisent plus le corps, mais c'est le corps qui rejoint la mobilité naturelle qui constitue sa durée, son tort, interne, externe, tort, santé, bien sûr, théorieux, son être cosmos. Comme le disait Kafka, la devise de Balzac, « Je franchis tous les obstacles » devient « Tous les obstacles me franchissent ». Dans juin, le corps se fait disjoint. L'organon, organon, l'organe d'organe qu'est la main, son gigantesque fer servile pose. Le corps ne sert personne, ni ne sert à rien. Il n'est plus servus. Que vient donc faire l'art dans cet essai de reconstruire l'histoire de la philosophie à partir de ses tournants? Il est l'outil et le ferment de la critique. Il est lui-même le corps sans organe, la résistance originelle, non d'une nature paradisiaque, pure fiction, qui nous prend pour des imbéciles, mais d'une nature sans finalité, tout entière vouée à la différence, à la chute potentielle des sensations, à la contraction contemplative, à la ligne de fuite. Corps sans organe, ce n'est pas seulement une création de concept, c'est la réalité du corps plein, dissimulé sous l'impératif de finalité. On comprend alors
le lien intime du corps, de l'art et du virtuel. Car le virtuel, et non pas le possible, que personne n'avait critiqué, est l'absence même de finalité, d'efficience et de forme. Soit les trois causes d'Aristote, la puissance dynamis de la matière aristotélicienne, est en réalité ce qu'elle paraît chez le stagirite que par l'effet d'une domination des trois autres causes qui ne font qu'une. Le retour d'Aristote à la Phusis et à la Génésis aurait dû lui faire comprendre que la dynamis, en tant que telle, est l'absence et le refus, qui n'ont rien d'un chaos négatif, d'efficience, de forme et de fin. En rendant inefficient, informe et préfinal le corps, Deleuze porte à son maximum d'intensité la découverte restée cachée à Aristote, mais dévoilée en partie par Bergson, de l'absurdité du couple matière-esprit fondée sur la fausseté du possible. L'art est donc le corps sans but, ce qui ne veut pas dire un corps paresseux. Les peintres et les poètes le savent, les musiciens aussi, tous les expérimentateurs, Demian, Victor, Molloy, Murphy, Malone, Hans Karstorp. Et il semble bien que c'est un monde qui se joue sur ce déplacement de césure, qu'avec cette nouvelle césure, c'est le monde des minéraux, des végétaux, des animaux et tous les êtres, y compris les particules et les corpuscules, on n'est pas loin de Walter, c'est le corps bienvenu des choses, la fameuse formule reprise par les romantiques « en pata », il faut toujours retraduire, qui monte et revient. Les poètes, parce qu'ils minorent le sujet, font venir le monde et créent un monde en abrégé, cultive un autre fer, le poème. J'évoquerai le corps des peintres sur trois intuitions fortes qu'ils ont de leur art, l'anatomie en tableau, le point gris qui saute par-dessus lui-même, le labyrinthe comme ordre caché. Petite... Oui, bien. Tant à seguir une personne, ou Deleuze conseguir estabelecer como é que o corpo é capaz de juntar-se à sua duração na medida em que não pode doravante ficar ao serviço de seja o que for. E assim há um dispositivo de perspectivas em que o corpo assemelha-se a uma espécie de movimento que é a ausência de eficiência e a ausência de fim. É assim que se quebra aquela coisa muito absurda que é a polaridade da matéria e do espírito. Agora vai ser exposto qualquer coisa sobre três maneiras dos pintores de encarar o corpo. Merci. Pris dans l'opposition hautement sensible à l'époque, on sait désormais mieux pourquoi, du figuratif et du non-figuratif, de la forme et de l'informe, Kandinsky, qui voyait pourtant l'importance de la nécessité interne, ne pouvait que le dire en termes de spiritualité et d'âme, qui ruine, à mon sens, pour l'essentiel sa théorie. C'est alors Clé qui livre à deux occasions l'énigme fulgurante de l'art. Le tableau n'a rien à voir avec ce qu'il feint de reproduire. Il a une logique propre. Je cite. De même que l'homme, le tableau a lui aussi un squelette, des muscles et une peau. On peut parler d'une anatomie particulière du tableau. Un tableau avec le sujet homme nu n'est pas à figurer selon l'anatomie humaine, mais selon celle du tableau. C'est tiré de Théorie de l'art moderne, page 11. Par ce biais, l'art échappe aux lois du réel, égale une autre région inconnue, celle qui n'existe qu'à partir de son invention, un chemin neuf à chaque pas. Clé pousse plus loin la clarté foudroyante en proposant le point gris qui saute par-dessus lui-même. Note sur le point gris, page 56. On dirait que ce point est à la fois énergie, sensation, durée, mouvement absolu sans terme mobile, ça c'est un concept essentiel que Hegel avait esquissé dans la préface de la philologie, cristal de temps. Il crée une sphère cosmique réductible à un point sans épaisseur, entre les dimensions.
tout corps comme art est ce point, cet immense espace, ce lieu sans route et sans but, ce point fatidique entre ce qui devient et ce qui meurt. Citation de Clé. Autre façon de le dire, l'autre caché, l'ordre caché de l'art, Ehrenfach, et sa confirmation dans le portrait d'Ambroise Vollard de Cézanne. Si ce peintre ne peut achever la main, c'est qu'elle demanderait toute la série de micro-contrastes choisis qui se terminent à ce non finito. Ce serait un nouveau tableau. La main reste interminable, car le processus de choix, je cite Kafka, aussi souvent qu'un boxeur, qui mène à la nécessité interne, se fait sans aucune fin préétablie. On ne sait pas où l'on va, mais l'on y va de façon décidée. Une sorte d'attracteur étrange conduit l'œuvre vers sa finalité sans fin. Sûreté de choix d'un œil qui s'abandonne, sûreté de main d'un corps qui ne veut plus dominer, traduire en homme, mais juste se laisser envahir par cela. Il n'y a pas de meilleur équivalent de la ligne de fuite du corps sans organe ou du pli que ce décours purement mobile, inarrêtable par des moyens de règles et de mesures, désir plein, porté par l'intensité en cascade de la sensation. Il faut alors revenir sur une analogie qui va jusqu'au cœur du problème. Nous avons vu que le potlatch ou le kula, évoqué par Marcel Mauss, repris par Marcel Hénaff, comme don cérémoniel avec exigence de retour, ouvrait une circulation, un grand cercle politique qui n'avait rien à voir avec la haine des chefs d'armée réunis en Messonne autour d'un butin. Dire que nous avions placé le proto-politique dans ce cercle de tueurs. Tout au contraire, dans le cercle du kula, se reconnaissaient les individus et se liaient de bout en bout les groupes. La cérémonie du don et tous les rites qui s'y rattachent étaient la vitrine de ce lien circulaire qui parcourt l'univers. Le symbolisme qui se lie aisément dans les philosophies d'Héraclite, de Parménide, d'Empédocle, attaché à produire le deux en un, où le passage, l'intervalle, sont plus essentiels que les pôles du mouvement, est aussi cette manière de tenir en un tout, de maintenir ferme, en respectant ainsi le cosmos. Mais Hofmannsthal, lorsqu'il évoque Van Gogh ou, par contre-pied, les Allemands qui manquent de colonne vertébrale, se réfère aussi à une totalité interne qui donne leur place à tous les êtres et les règne, et devrait nous inciter en philosophie à réhabiliter les sophistes, à mieux lire Hippias, le grand théoricien grec avec Hippocrate, de la totalité. On le comprend. Un but, même s'il est placé au terme de tous les termes, ne cesse d'habiter comme étape tous les actes soumis à une fin. C'est ça, je dirais, le mécanisme. Dès lors, il ne peut que hacher le mouvement en créant des stases, des étapes. Le but est l'origine du discontinu, le discontinu est la répétition du but. D'où le lien inverse que fait génialement Spinoza entre la récusation de la volonté, la disparition du principe de finalité et l'ouverture de l'infiniment infini, Deus sive natura. D'où l'acéphalité de le ciel, ouvrant tout ça avant. Sans même aller jusqu'à l'onde de sensation, jusqu'au bloc de souvenirs de Deleuze, n'est-il pas alors tout à fait significatif de voir Bergson multiplier de manière d'être en bloc? C'est ça qui est parfaitement intéressant chez Stephen Hudson, à la fois l'idée d'en bloc et l'idée de hétérogénéité, nouveauté. Il écrit dans La pensée et le mouvement, le mouvement simple est tout d'une pièce. Il écrit encore en bloc, page 10, une multiplicité indistincte et même indivisible, absolument indivisible. C'est toujours d'un bond qu'un trajet est parcouru, une immense nappe solide, etc. Il démontre. Alors, c'est le concept le plus difficile, je crois, de Deleuze, mais déjà de Bergson. Il démontre qu'il n'y a rien de plus mobile, d'hétérogène, et à la fois de plus solide, de continu, que la multiplicité intensive, qu'il dit encore qualitative. Cette multiplicité se projette en tous sens, en créant un espace et un temps impossible à mesurer. En bloc, c'est l'exact opposé du monolithe que crée la finalité et l'efficience, l'inscrivant sur un corps dont pourtant on ne sait jamais ce qu'il peut. Je pense que la colonie pénitentiaire était une intuition de Kafka de cette façon de graver sur le corps quelque chose qui, au fond, est la loi,
c'est-à-dire qui empêche finalement le corps de faire ce qu'il peut. Là, le corps ressaisit dans leur être réel sont le mouvement d'une ou de la vie. L'efficience réduisait corps et esprit à une ligne de régie, très filée par l'idée de mort et de finalité, et déjà envahie par elle, à tous les points immobiles qu'elle force à disposer sur le chemin. Alors, il me reste un petit peu de texte, donc si tu veux dire. D'accord. Nous tratons de ultrapassar as limitações do Kandinsky, porque o Kandinsky está ainda a pôr os problemas em termos de alma e de espírito, através da proposta do Klee, de uma anatomia própria ao quadro. O quadro, como o homem tem o próprio esqueleto, a própria anatomia, a própria pele, e também no Klee encontramos o ponto cinzento que é capaz de saltar em cima de si próprio e que representa no fundo uma energia, um cristal do tempo. Daí a importância de uma expressão do Bergson que é um bloco em bloco, que é o exato oposto do monolítico, porque é capaz de mostrar que, ao mesmo tempo, há uma mobilidade, que é também uma densidade, e isto é o que deve levar-nos a reabilitar os pensamentos dos sofistas, do Hippias e, por exemplo, do Hipócrates também, porque, no fundo, são os grandes pensadores deste sistema. Merci. Donc j'ai voulu opposer la ligne de finalité qui fait venir la mort sur son terrain et limite en tout point à la ligne de fuite comme résistance de l'art qui retrouve la continuité, restaure l'hétérogénéité et manifeste de la vie partout. Cette puissante vie organique qui sinon n'a pas de sens. Et tout cela s'oppose donc à l'outil d'outils que sont la main et le siècle à main. Nous voyons à quel point le peintre chinois peignant un coq à main levée, ou les formules de Vinci, de Ravaisson et de Bergson sur la ligne flexueuse et serpentine sont des vues justes sur un corps, je ne sais pas le dire, il faudrait dire l'opposé de outil, mais nous n'avons que inutile, donc il faudrait dire inoutillable. C'est-à-dire le corps qui ne sert à rien, le corps en mouvement inassignable. Qu'on le dise par la désubjectivation, par l'errance, ou qu'on entende le désajustissement, ça y est, je l'ai fait, comme manière de fuir le sujet assujetti, parce qu'il est assujettissant, pour dégager l'espace d'un plan de composition où s'expérimente le parcours d'un flux de sensations, dit toujours le même, l'art, où le corps sans but, ragaillardi par l'abîme, là où l'Occident persistait à installer un but sans corps, courant à l'abîme. Nous sommes donc parvenus, c'est ma conclusion, au point suivant. Nous avions perçu deux bifurcations dans le rapport du corps au monde. Selon Huxley, le corps organique, rivé à sa fusion perceptivo-active avec l'umwelt, se voyait libéré par l'insertion humaine d'un welt conceptuel qui le distancie du milieu et donne le branle à des cultures historiques. Selon Enaf, les cultures premières avaient compensé la tendance à s'écarter de la nature en retenant les corps individuels dans le grand corps en mouvement d'un lien social et circulaire, le don cérémoniel et l'obligation de réciprocité que l'on pouvait égaler au corps social tout entier, non séparé des objets, des êtres, des règnes animaux et végétaux qui gravitent autour de ce don. On l'a vu. La révolution des agriculteurs éleveurs, cultivés et domestiqués, en soutirant une prérogative à la nature et en inventant la dette, le sacrifice, les ancêtres et les dieux, modifiaient ce lien incommensurable en calcul d'évaluation, qui à terme réduisait tout à une valeur marchande sous l'impératif généralisé d'un faire. Si dès lors, un mieux en soi, et donc évidemment ça s'articule à la philosophie et notamment à ce texte fondateur de l'Occident qui est dans le Phédon, 97 à 100, où il évoque le mieux. La raison, c'est ce qui vaut le mieux. Donc, si dès lors, un mieux en soi,
orchestrer les couples antagonistes du type meilleur moins bon, le monde impliquait la puissance de la mesure comme abstraction susceptible de répondre à une finalité extramondaine. La première abstraction allait de l'homme ouvert au vert et dégager l'homme culturel. La seconde abstraction allait du don cérémoniel renaturant la culture au progrès de l'esprit humain. Le résultat en était le corps de l'expérience courante, fermement délimité au grand regret de Kafka, a donné à l'impératif de survie et au plan des images, au monde conceptuel, à la finalité. Or, ce corps utile, conceptuel et final, rien n'empêche de l'abstraire à son tour. Abstraire une double abstraction par une abstraction tierce, c'est rendre réel, concrétiser, redonner corps. On y retrouve à la fois le réel comme durée et mouvement chez Bergson et le fourmillement des intensités chez Deleuze entre virtuel et actuel. Les œuvres d'art sont, à mon sens, des expérimentations de ce corps concret. Nous ne voyons ni n'entendons l'art. L'art, ce ne sont pas des objets extérieurs, c'est la perception que nous nous donnons de notre propre corps désœuvré. Le lien inévitable que l'on établit ainsi entre le corps et la fidélité et la finalité peut donc s'exprimer de deux façons inverses. Ou bien on se règle sur une vue mathématique du monde, Platon, Pythagore, Euclide. Avec la découverte dont nous nous sommes littéralement parvenus de la puissance du point sans épaisseur et du pur concept abstrait, qui entraîne tous les corps à titre de modèle universel dans une assimilation au final des corps courantes, ou bien on lève en bloc les impératifs de finalité et l'on fait jaillir l'inverse de ce que Platon appelait la seconde navigation. Cela va alors un corps d'art, dont on ne sait ce qu'il peut, parce qu'il est le dehors et le tout autre. Corps paradoxalement incarné de porter enfin sur lui tout le réel jusqu'au minime et d'en témoigner. L'art est cette tierce abstraction concrétisante. Il implique un va-et-vient subtil entre forme et non-forme, virtuel et actuel, au lieu de nous forcer à garder les yeux rivés sur l'actuel. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'actuel ne soit pas aussi le réel. Mais en réalité, le réel en tant que tel est non pas la victoire de l'un sur l'autre, mais l'entrecroisement infini actuel-virtuel. Seul l'art peut nous le faire entendre. Il était temps que la philosophie apprécie la portée d'une situation du réel par l'art et se mette à en diffuser l'attention bienveillante et fraternelle pour toute chose sans exception. Gracias.